Bienvenue à cette séance découverte d'une nouvelle lettre. Welcome to this session of discovering a new letter. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre. Nous allons découvrir la lettre X. Today, we're going to discover the letter X. Nous allons découvrir son son. Chercher son son dans des mots et ensuite apprendre à l'écrire. We will discover the sound of X. Look for the sound X in words. And finally, learn how to write X. Pour cette activité, il me faut deux boîtes. Une avec une oreille et une croix sur l'oreille, ça veut dire que je n'entends pas le son X. Une autre boîte avec l'oreille sans la croix, ça veut dire que j'entends le son X. Et des images, des mots. Nous allons aussi avoir besoin de notre plateau de farine, ou d'une feuille et de ma feuille d'écriture. For this session, I will need two boxes, one with an ear that is crossed. It means I don't hear the sound of the letter X. The second box with an ear without a cross, it means I hear the sound of the letter X. And then some pictures for the activity. Commençons. Let's start. La lettre X s'écrit comme ceci en capital, en script et en cursive. The letter X is written like this in capital, script and cursive. The letter X make the sound X. X. Can you repeat after me? X. X. La lettre X fait le son X. X. Peux-tu répéter après moi? Excellent. Alors, comment on va jouer à ce jeu? Je représente mon son X de la sorte. Alors, pour ce jeu, il s'agit de retrouver le son X dans les mots. D'abord, on va voir quels sont les mots. Là, j'ai koala, X-ray, fox, axe, box, xylophone, kite, kangaroo. Alors, es-tu prêt? Écoute bien et cherche le son X. Are you ready? Listen carefully and find the sound X. Kangaroo. Do you hear X in kangaroo? No. So I place it in this box. There's no X in kangaroo. Kite, kite. Do you hear X in kite? No. Xylophone, xylophone. Do you hear X
In xylophone? Yes. I'm placing it here. It means I can hear the sound x. Box. Box. Where should I place it? Here? No. Here? Yes. Can you explain why? Because I can hear the sound k. Bien sûr, je la mets dans cette boîte parce que j'entends le son k dans box. Axe. Écoute encore. Axe. Je la mets où? Est-ce que j'entends k dans axe? Bien sûr. Fox. Fox. Est-ce que j'entends x dans fox? Est-ce que je le mets là? Pourquoi? Parce que j'entends le son x. Je dois le mettre ici. X-ray. X-ray. Est-ce que tu entends x dans X-ray? Bien sûr, je la mets dans cette boîte. J'entends le son x. Koala. Koala. Can you hear the sound x in koala? In koala? No. Bravo. Maintenant, nous allons apprendre à écrire la lettre X qui fait le son X. Comme dans fox, box, x-ray, ox, exit. Je vais prendre mon plateau rempli de farine, ma feuille, et on va apprendre à écrire la lettre X. Très bien. La lettre X est une lettre assez spéciale. Comme tu peux le voir, nous avons deux lettres qui sont collées ensemble. Nous avons le S et le C qui sont collés ensemble. As you can see, the letter X is very special. It's the combination of two letters together. We have the S and the C together. There's no space